le chouchou du public, incontestablement. Ah, oui. Elle a conquis les cœurs pendant ces Jeux paralympiques en devenant la première à aller chercher ce titre en boccia. La boccia qui est un sport spécifique aux Jeux paralympiques, un sport tellement important dans tous les établissements médicalisés. Beaucoup de gens en situation de handicap se reconstruisent grâce au sport. On le sait, on l'a vu, elle incarne tout ça, Aurélie, magnifique championne. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu te fous, tu blâmes à présent car son nul erreur. Des adieux à jamais. Et je suis au regret de dire que je m'en vais. Je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Des sanglots longs ne pourront rien changer. Cet été, des millions de familles, d'amis, d'amoureux, de collègues, de voisins se sont créés des souvenirs communs. Cet été, tout un pays a vibré en même temps devant les mêmes exploits. Au-delà de la langue que l'on partage, au-delà des valeurs que l'on porte en commun, des monuments et des livres d'histoire, ce qui nous lie et nous construit en tant que nation, ce sont les émotions collectives. Ce qui nous lie, ce sont les souvenirs partagés. Aurélie Aubert, porte-drapeau ce soir avec Tanguy de la Forêt, qui va être la dernière. Aurélie Aubert, celle qui va éteindre la flamme. Écoutez l'ovation du Stade de France. Aurélie Aubert, go medalist in boccia. Ah, on a tous le souffle court, ouais. comme Aurélie au moment d'éteindre cette flamme. Ouais. Mais c'est un grand vent d'espoir qui a soufflé ce soir et pendant tout l'été. Ouais. Cette passe qui a illuminé le ciel de Paris. Que deviendra-t-elle? Ça va animer les semaines qui arrivent parce qu'elle a marqué ces Jeux de Paris 2024. Et regardez, petit à petit, les lumières s'éteignent au Jardin des Tuileries.